ciel sans bras et tonnes, comme si Jupiter descendait sur nous. Chaque obus soulève un tas de terre, de poudre et de pierre, découvre les cadavres, puis les enterre. Dans cette fosse commune, les artilleurs sont les croque-morts, et ils ne s'embarrassent pas de nous en dire. On étreint notre barda comme une croix, allongé dans la boue, sonné par le bruit. On crève sous les balles et les bombes, mais la défense se poursuit. La soif est intenable, certains se traînent au fond des trous pour voir une croûte qui est soulevée par le corps démonté qu'on aperçoit au gré des canons. La fatigue est tout le mal, on endort debout, on en perd la raison. Héroïque, nous arrivons à 200 et le parti nous 61.